Suivi en direct cet après-midi, les Éperviers ont pris une sérieuse option dans leurs efforts pour se qualifier pour la CAN 2013. Ils ont battu l'équipe du Kenya par 1-0 au stade de Kégué et se relancent ainsi pour la suite de ces éliminatoires. Lamine Konaté et Modeste Kouma pour le résumé. Ce match retour contre les Arambisters du Kenya a été capital pour les Éperviers du Togo qui sur le terrain n'ont pas fait de calcul. Cependant, malgré leur nette domination et les nombreuses occasions de but pendant la première période de jeu, le score est resté nul et vierge à la pause. Revenus des vestiaires, les Togolais poussés par leur public n'ont pas relâché la pression sur les Kenyans qui jusque-là étaient très défensifs. Et à la 60e minute, Prince Egbefia amorti de la poitrine pour Serge Gakpé qui enflamme le stade de Kégué. Ce but a réveillé les Kenyans qui ont cherché à égaliser, mais c'était peine perdue. Les Togolais ont ainsi obtenu leur qualification pour le tour prochain à la grande satisfaction des autorités sportives. Par la grâce de Dieu, nous avions obtenu la victoire et c'est à la fin qu'il suffit les moyens. Aujourd'hui, nous sommes dans la course. Je crois que c'est pour tous les Togolais une fierté. Nous sommes vraiment satisfaits et nous pensons que pour la suite, on va pouvoir discuter, mettre les bouchées doubles afin que nous puissions gagner beaucoup plus aisément par rapport à la bataille de ce soir. Avec cette victoire, les Éperviers ont un sentiment du devoir accompli, mais beaucoup reste à faire en attendant le tour suivant en septembre prochain. Merci Modeste. Comment est-ce